répondra Ashuma. Il s'est passé quoi dans l'abri des regards? Ashuma quoi? Je sais pas. Je sais pas. Et Maven n'a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles qui se rapproche? Elle a pris Flo pour un coup. Elle veut se mettre avec Bébé depuis le début, elle bande sur Bébé ou elle attend que ça. Flo pour un compte, c'est une menteuse, c'est tout. Maintenant tu fais ce que tu veux, tu... mais ça, tu vois, tu bandes sur lui. Mais si, ça, regarde dans l'attaque, bande sur lui. Arrête de faire semblant, arrête de prendre Flo pour un compte. Toi, tu t'es dit que tu l'aimes plus. Mais j'en ai rien à foutre, je ne récupère pas comme ça. T'as déjà pris Flo pour un compte. Eh, tu seras une fille concu comme tu l'as toujours été. Maintenant, parle pas avec moi, parce que t'es une concu. C'est toi, j'aime pas les concu, j'aime pas les gens faux. Arrête, il était avec toi, il faisait des déclarations à moi, et t'as fait pareil avec lui. Il t'a fait pareil à toi, mais ouais, et pourtant mais tu l'as pardonné. Et si, arrête, je me suis rendu avec lui. Non, c'est toi, pas vrai. Il veut plus. Pourquoi tu cries, toi, demain matin? Toi, ferme ta bouche, parle pas avec moi. Jamais ta vie avec moi, ferme ta bouche. Ne parle pas avec moi. Voilà. Elle a dit qu'elle pouvait faire ça, elle te récupérait. Oui. Ah ouais. Ah, elle a redit encore. Elle a redit, ouais. Fait, tu peux faire même ça, ça, ça. Comme mais ça. Mais je t'aime plus, je comprends pas. Je vais t'expliquer parle quelque chose. Parle pas avec moi. Oh, mets-moi. Là, 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 je veux pas parler avec lui. Écoute-moi bien, tu as vu tes faux cheveux là, que tu as ta perruque éclatée au sol. À coup d'orange, je te la prends. Oh, voilà. Parle pas avec moi. Arrête de parler avec moi, donc, ignore-moi. Parle pas avec moi. Hein? Parle pas avec moi. Oh. Ouais, maman. Ben moi je vous ai vu tous les deux hier en train de faire des câlins en after. Ben oui, ben quoi? Mais alors, allô Flo, tu vois pas? Depuis le début, elle s'en bat les couilles de ta vie. Elle attend que Bébé se remette avec lui. Pas, et alors, elle faisait que te taire les deux secondes, trouver des excuses bidon pour te quitter. Elle t'a pris pour un alors, jambon. Hier soir, ça m'a c'est ce qu'elle attendait. Voilà, c'est tout. Maintenant, arrête, tu vas prendre pour un jambon. Ouais, mais c'est ta faute. Moi ce que je t'ai dit hier, de quoi? C'est ta faute si ce qui se passe. C'est normal. C'est normal là, c'est. C'est de ma faute? Ben oui, c'est ta faute. C'est de ta faute. Ben, désolé d'être sincère, en fait. Désolé d'être le Greg, pardon, que tu as toujours voulu avoir, en fait. Et ben, tu l'as devant toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et aucune pression. Je comprends que tu dois, que tu sois pas sûr de moi, mais ce qui est normal, en fait. Je suis pas sûr de toi, je suis pas sûr de moi. Je suis sûr de rien, je suis pas sûr de toi, je suis pas sûr de moi. Je suis sûr de personne, en fait. Mais là, tu sais quoi? Prends ton temps. Prends ton temps, moi, je te presse pas, en fait. Ouais. Eh oui. Oui. Eh oui, Stécie. Eh oui. Ah, ça va, Stécie. Je suis pas motivé, hein. Ah, combien de points? 500. 500 ouais. Points dans la besace. Allez, 4-3-0. Allez, allez, les jouez, les gars. Termino. Ouais, ils ont rien fait. Ah, là, on va être très haut, j'ai fait. Hein. On va tous vous faire sauter. Les gars, allez. J'ai changé le pneu, il a le à peine un boulon. Il a enlevé un boulon, le pauvre. Et il s'est mis du truc juste avant. C'est pas vrai, non. Après la c'est vrai. Oui, c'était quoi? Frère, tu t'es mis du truc juste pour nous faire croire que t'as bossé? Mais j'ai très bien. Regarde, j'ai essayé, frère. J'ai essayé. C'était quoi? C'était changer un pneu. Pour vous dire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu Giuseppe dans la voiture en train d'écouter la musique et danser. Et la clim et tout. Ah, bon et lui, il arrivait avec le smile et du. Et moi, assis, en train de bosser. Et lui, il essayait de bosser, l'autre, elle dansait dans la voiture. Voilà. Ah ouais? Ah, elle dansait en plus. Elle a mal au cou, elle danse. Elle a mal au cou, elle danse. Elle a mal au cou, mais elle danse dans la voiture. Elle a mis le poste, elle faisait ça. Elle était assise, elle faisait ça. Mais... Les gars, alors, il a été jusqu'au bout. Même quand... parler. Mais écoutez-moi. Oh, écoute-nous, même c'est quand on parle. Même quand il avait la nouvelle roue pour la poser, il a continué. Mais nous, on alors nous dit qu'en plein battle, t'écoutes la musique dans la voiture avec la clim. Mais je pouvais même pas porter une clé à molette. Je me suis assise, vous me connaissez, arrêtez. Je pouvais pas porter les trucs, c'était lourd. J'ai l'impression qu'ils prennent pas ça au sérieux. On me dit, elle est dans la voiture avec la clim et la musique. Mais je et toi, t'es là en train de porter. De... Hey, c'est pas une colonie de vacances. Je c'est pas une colonie de vacances ici. Vous comprenez moi, je veux pas quoi. Perdre. Je suis venu pour gagner. Et on me dit, tu veux pas parler? Y a que toi qui parles. Y a que toi qui parles. Mais y a pas que moi qui parle. Écoute-moi. Je suis pas là sur place pour écouter les Marseillais. Le reste du monde, on va tous vous faire sauter. Le reste du monde, le reste du monde. Mais oui, je suis impatient parce que elle me montre. Non, mais ils font un date. Même quand ils sont que tous les deux, s'ils arrivent à s'embrouiller, elle a pété un câble. C'est pas ça. Tu sais quoi, mon conseil, Simon, je te jure que là, je vais te dire un truc. Si tu l'appliques, tu la récupères. Juste, laisse-la, elle, revenir vers toi. Non, non. La calcule pas, je te jure. Vous savez. Petite Jo. Quoi? Viens. Viens avec moi deux petites secondes. T'as mal? Ouais. Hein? Mm-hmm. Viens, ça. Mais pourquoi t'es tendue comme ça? Tu comprends pas, y'a personne qui comprend rien.
C'est un menteur. Moi, j'en ai marre qu'il mente, qu'il se fasse passer pour une victime. Mais menteur. Il voyait des messages, il m'appelait. Un jour, il a pris un avion. Mais attends, attends. Non, c'est bon. Non, regarde, c'est bon, c'est bon. Non, alors Simon, pars, s'il te plaît. Mais non, mais regarde, tu veux faire la fille qui est énervée, qui veut péter un câble, alors que la vérité, regarde, quand on est toi et moi là-bas en train de parler, que moi je te dis les choses que j'ai envie de vivre avec toi et ce que je ressens pour toi, je sens même pas. J'ai vu ton visage normal, y a rien. Tu me reproches de pas ouvrir mon cœur et quand je le fais, tu me dis, alors je peux pas tout donner, mais qu'est-ce que je te fais? Parce que j'enregistre ce que tu me dis pour apprendre avec le temps, en fait. Tu peux pas me demander tout d'un coup là de te dire des choses que je peux mais pas te rien. Dire. C'est pas ce que tu as dit, c'est ton comment tu me parlais. Le problème, c'est comme moi j'arrive à te dire ça quand j'ouvre mon cœur comme ça ici, t'es encore à avoir ton ton agressif alors que j'ouvre mon cœur devant tout le monde. Simon. Oui, Simon, parle doucement. Mais non, parce que le seul moment où vraiment j'ouvre mon cœur et que je suis à cœur ouvert, et ben je sens une meuf énervée. Et donc je comprends pas, et du coup ça me braque. C'est tout. Parce que je te dis des choses qui me tiennent à cœur. Mais t'es venu à Aix au moment où t'étais obligé de venir et que t'es même pas allé jusqu'au bout des choses. Je suis venu quand même parce que avant Aix, tu comprends pas que avant Aix, je pensais que c'était mort. J'arrête de parler. Avant Aix, regarde, c'est fini. Elle comprend pas ça. C'est ça le problème. C'est qu'elle comprend pas que avant Aix, j'avais basé le truc. Ne me hurle pas dessus. Ne me hurle pas dessus, je te le dis. Ne me hurle pas dessus, d'accord? Mais si, mais ne me hurle pas dessus. Je m'en bats. Il me hurle pas dessus. Tu m'as abandonné, t'es un lâche. Ouais, je suis un lâche. C'est tout, pasta. Et t'as rien fait pour me rattraper. Alors arrête de faire genre que tu m'as couru après. J'ai fait ce que je pouvais. T'as rien fait. T'as rien fait. Jou, arrête, calme-toi, s'il te plaît. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je suis pas ici pour tout ça, moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Juste, si t'es pas ici pour tout calme-toi, ça. Calme-toi. Pourquoi tu prends la décision de partir par rapport à lui ou par rapport à ça? D'habitude, je suis trop drôle. Je suis pas une vivante. Je suis une fille qui aime tout le monde. Mais lui, c'est pas vrai. Lui, c'est pas vrai. Comme ça, c'est trop. Mets-toi pas dans cet état. Je sais que c'est dur ce que. Là, je sais ce que c'est dur ce que tu fais. C'est très dur, on le sait. Parce que tu l'aimes. Tu l'aimes plus que tout. Et c'est lui qui t'a fait du mal. Et c'est à toi encore de faire la gentille parce que tu l'aimes. On le sait très mais bien. En fait, arrête de te mettre la pression. J'étais bien avec lui. Je me demande juste pourquoi. J'étais gentille. Il a fait des trucs toute la journée. Il n'arrive pas. Il se dit pas. Que comme il te voit revenir, il se dit voilà, c'est maintenant ou jamais. Il tente ouais. Parce qu'il se dit, il te connaît. Il sait que un jour tu vas être gentil et peut-être que le lendemain ça peut changer. Il sait plus comment se comporter. Donc en fait, quand t'es gentil, eh ben il va, tu lui tends la perche, il va la prendre et il va en profiter pour tout te donner d'un coup en fait. Aujourd'hui, si tu lui ouvres des portes et que tu lui dis que tu l'aimes. Il faut assumer, entre guillemets, son comportement de derrière. C'est-à-dire que... Non, les taxes, mais mon Dieu. Mais mon Dieu, mon cœur, non. Non, je suis désolée. Pas ça à 20 ans, pas ça en fait. Pas du tout. Pas du tout.